Un total de 4 km de route, la portion de la route nationale numéro 1 bis qui traverse la ville d'Antananarivo a été réhabilitée, dont une partie bitumée et l'autre pavée, permettant une meilleure fluidité de la circulation. Le complexe sportif municipal a également été rénové, dont le terrain de football et un terrain mixte de handball, de volleyball et de basketball, ainsi que tout le périmètre entourant les gradins et la tribune centrale. La tuerie nouvellement construite, quant à elle, peut prendre en charge l'abattage d'une douzaine de zébus et d'une vingtaine de porcs par jour. Outre la régulation du commerce de viande, la construction de l'abattoir s'inscrit dans un objectif de suivi sanitaire des produits. Toutes ces infrastructures sont issues des financements propres de l'État à travers le ministère des Travaux publics et la cellule de coordination des projets de relance économique et action sociale, une structure attachée au ministère des Finances et du Budget. Le président par intérim, Rivera Kutvao, a vivement encouragé la population à entretenir et à respecter ces biens communs nouvellement acquis. Il a également souligné que la remise de ces infrastructures démontre la continuité des actions de l'État au bénéfice de la population. À lui d'ajouter, certes, il reste encore beaucoup à faire et à construire, mais nous ne devons pas avoir honte de ce qui a été déjà fait. Seules les actions comptent. Petit à petit, nous apportons une pierre à l'édifice du développement durable. Lors de son allocution, le chef de l'État a aussi évoqué les prochaines élections. Il a ainsi appelé la population à l'apaisement et à choisir avec discernement celui qu'elle jugera à même de mener la nation vers le chemin du développement. Par ailleurs, il a invité les représentants de l'État et les maires à sévir contre ceux qui veulent semer la discorde et la division, car le pays ne saurait revenir dans une autre crise. Outre les infrastructures remises ce jour, les agriculteurs méritants ont reçu au total 2500 poussins. Les clubs sportifs locaux ont, quant à eux, été dotés de jeux de maillots et de ballons. Le chef de l'État, Rivera Kutvao, a remis en son nom un camion-benne pour participer à l'assainissement de la commune d'Arivunmamu.